suis ravi d'être de retour au Maroc. Je suis venu à l'occasion de la célébration des 60 ans de partenariat entre le Royaume du Maroc et la SFI. La SFI est la Société Financière Internationale. Nous sommes l'institution du groupe de la Banque mondiale qui est focalisée sur le développement du secteur privé. Donc nous sommes venus avec mes collègues ici à Rabat pour cette célébration. Et c'est un bon moment pour réfléchir sur ce que nous avons fait au cours des 60 dernières années, mais aussi de préparer l'avenir et de préparer non pas les 60 prochaines années, mais les 60 prochaines semaines, 60 prochains mois. C'est vraiment les moments où nous voulons accélérer nos opérations. Quand je regarde ce que nous avons fait ici, nous avons fait beaucoup d'innovations. Nous avons fait plus de 25 projets qui sont des sortes de premières, des projets qui n'ont jamais été faits avant. Et ça, c'est vraiment intéressant, non seulement pour le Maroc, mais également pour la SFI, parce que nous avons beaucoup appris ici. Nous avons eu la possibilité d'utiliser le Maroc comme un laboratoire et nous avons répliqué dans d'autres pays à travers le monde, des pays en développement, nous avons répliqué des projets qui ont été mis en place ici au Maroc avec beaucoup de succès. Nous avons fait par exemple le premier projet de partenariat public-privé dans le secteur de l'irrigation. Nous avons fait ici la première boîte de leasing au Maghreb. Nous avons fait la première émission verte sur le Maroc. Donc beaucoup d'opérations de ce type-là sont très innovantes. Donc, regardant vers l'avenir, je suis très confiant que nous allons fortement augmenter nos engagements. Nous avons une stratégie qui accompagne le nouveau plan de développement du gouvernement, qui est très focalisé sur le rôle que le secteur privé peut jouer dans l'économie marocaine. Et donc, nous sommes là pour soutenir les entreprises marocaines. Nous sommes là pour les soutenir à créer de l'emploi, à créer de l'activité, et tout particulièrement de l'emploi pour les femmes, pour les jeunes. Et c'est vraiment un des axes de priorité que nous allons avoir au cours des prochaines années.